Et bonjour, internautrices et internautateurs, ici Galden pour les jeux du Cygne. Et on se retrouve sur Terraformers, où on poursuit notre conquête de la planète rouge. Les objectifs avancent pas mal, on a fait plus de la moitié du chemin. On aura atteint les 100 points, on aura terminé cette partie, on pourra en commencer une autre. Alors. Donc, on a plein de trucs pour du soutien, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ah, ça, si, ça va être bien. Ça nous propose plus de projets par tour. Ça, je prends. Alors, ce sera parti du prochain tour. Ouais, donc, tu vois, typiquement, tu as ce genre de bâtiment. Broudaf, qui fait deux de population d'un coup, mais qui diminue ton soutien. Mais je vais peut-être quand même le faire, du coup. Je vais peut-être le faire effectivement pour compenser le problème. Mes 60 de bouffe, ah, tu me diras, vu ce que je produis en bouffe, ça va. Je vais le faire au prochain tour. Ça m'emmerde un peu, mais. Mais bon. Et on va continuer là-dessus. Ouais. Je vais pouvoir aller chercher. Mes pendeurs de plantes, même si pour l'instant je peux pas en faire. Quand je pourrai en faire, je serai content de l'avoir mis. Hop. Pour l'instant, j'ai pas besoin de nitrate. Voilà, donc là, j'ai pas les conditions climatiques hein, qui permettent de le faire. Et je sais que dans Arabia, bientôt, quand j'aurai un tout petit peu plus de température, je serai en mesure de le lancer. Alors ici, qu'est-ce que tu me proposes? Obtenez 8 de soutien par tour par animal introduit dans une zone climatique. Ouais, c'est le même que l'autre avec les plantes. 2 de soutien par tour lorsque vous augmentez votre rendement de nourriture, d'eau ou de nitrate. Plus 2 lorsque vous augmentez science ou silicate. Nourriture, eau ou nitrate. Science ou silicate. Je vais prendre celui-là, c'est celui que j'ai plus de chances de pouvoir utiliser. Hop, un tour. Et voilà, plus d'un d'oxygène dans toutes les zones climatiques. Ah oui, ça augmente le soutien par tour du coup aussi, parce que comme les conditions de vie sont meilleures, c'est hyper important. De toute façon, booster la terraformation, il n'y a pas à tortiller, c'est quand même vraiment ce qui est le plus efficace. Oh oui, celui-là, il est tellement bien. Il est tellement bien celui-ci. C'est un bâtiment très rare, mais voilà, qui permet de choper 8 d'expansion d'un coup et de réduire le soutien négatif pour les lieux éloignés de 3. C'est complètement abusé. Tellement c'est fort. Soutien et bouffe, c'est toujours bon à prendre aussi. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, on va activer ça pour avoir plus d'énergie par tour. Et là. Non, c'était pas ici, c'était là. C'était à Tempe qu'on voulait le faire. Les igloos n'apportent rien de particulier. Celui-là non plus. Donc, tac. Et on est parti sur. De la science et du soutien pour tous les trucs adjacents. Plus 4 de science par tour. Il lui reste un tour. Bah, je vais faire ça. Ça va m'économiser plein de titane. Hop. Et de l'énergie, puisque je vais pas aller explorer. Je vais aller regarder ici ce qu'il y a. Et au prochain tour, j'explore ici. Ah non, attends. Ah bah zut. Quel con. C'était. Je me suis planté. C'était pas ce que je voulais faire. Je voulais faire l'autre. Je voulais faire celui-ci. Qui me donnait du titane. Quel con. Abrutoso. Et je peux pas l'annuler, ça m'énerve.
plus de science. Qu'on ne peut annuler hein, que quand. Voilà, impossible d'annuler la dernière action, parce qu'en fait, la dernière action, c'était une action d'exploration. Et quand on explore, il y a un truc aléatoire. Et comme c'est aléatoire, bah. Comment ils disent que. Voilà, on ne peut pas relancer un truc qui est aléatoire. Je trouve ça presque un peu dommage. Bon, on va booster notre soutien par tour. 0-0. Hop. Bouffer tout mon métal. Tout mon titane, pardon. Hop. Et dernier tour. Nouvelle dirigeante. Alors, tu donnes du tritium. Déblayer des rochers, ça pourrait être pas mal vu que là où je vais m'installer juste après. Ça, c'est pas mal pour récupérer plein de ressources. Et pas mal, celui-là, il est très bien pour l'atmosphère. Ici, ça permet d'avoir l'indépendance. Celle-ci, on fait des discours qui permettent de faire d'indépendance, ça augmente le confort de vie, mais génère du soutien négatif par tour pour chaque route commerciale active. Et du soutien par tour. Je vais prendre celui-ci, celle-ci est bien. Étudier tous les projets que suggérer ce tour-ci, c'est fat. Et plein de projets supplémentaires. Mais l'atmosphère, c'est sympa. Lui, il est sympa pour tout. Et même le tritium, c'est bien aussi. Alors ça, on n'en veut surtout pas. Ça pour améliorer la production de science. Why not? Tac. Alors, on va s'installer là. Hop. Ah ben non, j'ai plus assez de bouffe. Dommage. Donc, je ne vais pas m'installer à ce tour-ci. Ça permet de récolter plein d'un type de ressources selon ce que tu as, selon dont on a besoin. De quoi ai-je besoin? Des nitrates. Celle-là, elle m'en forme deux. Ça, en plus, ça va me coûter que 2 d'énergie. Voilà, 11 de nitrate pour 2 d'énergie, c'est rentable. Ça va me permettre de construire ça assez rapidement. Pourquoi pas ici? Et je me fais. Je me fais un autre hosto ici, avec un autre bâtiment ici. J'ai quoi? 1, 2, 3. Ouais, je vais avoir le même problème. Ah non, parce que j'ai des robots ici. Comme j'ai des robots, j'ai pas de soucis. Je vais pouvoir faire ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? On m'a dit. Ça, pourquoi pas? Mais c'est pas non plus fondamental. Des habitations, j'en ai une. Tiens, c'est vrai que j'ai Phobos que j'ai un peu oublié. En fait, on. Phobopolis. Hop. Me permet d'avoir plus d'eau. C'est vrai que les bâtiments de production pure, il faudrait que je pense à les mettre là.
Ok, fin de... non, oui. Donc je ne veux pas augmenter mes océans. Tac. Allez, pouf. Moins 48 de soutien. Boum! Ça tombe bien, je fais plus 20. Là, je peux pas en faire trop. Plus 12 lorsque vous augmentez votre science, votre silicate. J'ai besoin de soutien, mon ami. Plus 7 par tour. C'est juste indispensable. Alors, qu'est-ce que tu me proposes comme projet? Des robots. Why not? De la science. Why not? Ça augmente mon soutien par tour comme j'aurais construit ça. Encore des hôpitaux spatiaux. J'ai des hôtels spatiaux, pardon. La flotte de l'énergie. Entre deux animaux, ouais. Allez. Plus de robots. Et je vais aller explorer. Ah ouais, lui, il coûte double. Faut payer le double en énergie. C'est vrai. Faut pas avoir besoin d'aller explorer trop loin. Il coûte cher. Alors, si je vais là, ça fait une station de recherche par tour. Moins de soutien, mais pas ah non. Alors je le ferai plus tard quand j'aurai fait ça. Il faut que je fasse ça. Vraiment. De l'eau, on n'en veut pas. De la science et de la population, on en veut bien. De la bouffe, de l'énergie. Moi, si, le soutien par tour, j'aime pas du tout. J'aime moins prendre ça. Alors, je vais faire ça. Tac. Ensuite. Alors. Zut, je peux pas encore faire les petits pingouins. Go. Je veux m'installer ici. Fonder une ville. Oui. Tu vas t'installer. C'est Xanté. Xanté. Alors, tu vas te mettre. Bim. Et je vais me déblayer 5 rochers. Gratuitement, c'est bon pour économiser de l'énergie. Ça fait quand même 15 d'énergie dépensée d'un coup. Exploratons. On va explorer de l'eau. Je veux. Alors maintenant, je peux m'installer là, du coup, puisque j'ai fait mon projet qui va augmenter. Hop, station de recherche. On arrive à maintenir.
C'était quoi quand j'augmentais? Ah, Phobopolis, j'avais pas vu. Plus 8 de soutien par tour de base. Les routes commerciales fournissent plus 1 de soutien par tour. Ah, ouais. C'est nice, ça. J'avais pas fait gaffe. Plus 2, l'argent augmente. Science ou syndicate. D'accord. D'accord. Quand est-ce que ça va s'améliorer? Température, c'est pas tout de suite. Et l'oxygène non plus. La température, ça augmente vraiment très très doucement. Alors là, je vais terminer ça au prochain tour. Je vais tout réinitialiser. J'augmente ma flotte, j'augmente ma bouffe. J'ai pas besoin en fait d'avoir des milliards de. Ouais. Parce qu'en fait, là, ce que je produis est plutôt sympa. Si éventuellement du titane. Hop. Tac. Ah non, pardon. J'aurais besoin de titane en plus. Et pour ça, j'exporte. Ouais, est-ce que j'ai besoin de... j'ai pas besoin d'autant de titane. Voilà. Hop. Zut, j'ai trop de projets. De quoi est-ce que je vais me débarrasser de ça? Ouais, de ça. Hop. Alors, Société de la fausse terre, la théorie de Nathan Peterson. Selon laquelle la Terre n'existe pas, semble se répandre de plus en plus au sein de la population. Ses adeptes sont mécontents du gouvernement actuel et souhaitent qu'il soit aux commandes. Que nous devons nous faire? Théorie du complot. Explorer un lieu obtenait 25 de soutien, plus ce lieu est éloigné de la ville. Oui, d'accord. Propagation de la... du complot fausse terre. Convertir 15 de science. Plus 25, 125 de soutien. On peut l'ignorer. Ou alors il prend la place et embargo commercial pendant 5 tours. Bon, franchement, il est naze. Il est naze. C'est juste rigolo. J'imagine qu'il doit y avoir un succès en lien avec ça. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ouais, si, j'imagine que si on le prend pas, ça doit faire du grabuge ensuite. Ou ouais, alors on va le prendre pendant 5 tours. Et puis. Ouais, il est bien celui que j'ai, mais bon, je fais le. Ouais. On va prendre celui-ci. Voilà, Société de la fausse terre. Succès. Recruter Nathan Patterson, ça fait un succès, c'est bien ce que je pense. Satellite, c'est bon. Nouvelles technologies plus fréquentes, c'est bien aussi. Allez, soutien par tour. Hop, on réinitialise. Par contre, je peux toujours envoyer. Dans l'espace, donc ça veut dire qu'en 2 tours j'aurai un satellite de plus, et ça c'est cool. Hop, dans Arabia, pierre de sable. Alors on a dit que ça on l'installe là, ça me fera plus de bouffe.
Hop. Je peux aller explorer juste à côté ici. Qu'est-ce que je peux faire encore? Une action de bâtiment pour propager une forme de vie. Ah! Ah, cool! Je peux faire des pingouins. Des pingouins. 4 tours. Et ça, les lièvres, ils sont contents. Ici aussi, 8 tours. Et là, c'est combien? 10 tours. Mais c'est toujours mieux d'avoir plus de diversité. Allez. Pif. Ouais! 120 de soutien, 12 de soutien. Putain la vache. Ce buff que ça te fait. Ok. Ah bah putain, ça j'en attendais. Les centres d'exploration astromobile, c'est top. Ça permet d'avoir pareil de l'exploration gratos en fait. Plus d'atmosphère. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est bien aussi. Je vais mettre ça sur Phobos. Alors, ah, je peux mettre mon épandeur d'animaux. Alors, mon épandeur d'animaux, je vais mettre là. Le volcan, je vais pas l'allumer. Tac. Je vais le mettre là. Et du coup, je peux faire aussi mes pingouins. Mes lapins. Hop, 7 tours en plus, comme c'est plus proche. Nickel. Alors ça, on a dit qu'on le mettait sur Phobos. Il est où Phobopolis? Hop, faisons plus d'atmosphère sur Phobos. Faisons aussi ah oui, plus d'atmosphère, plus de chaleur sur Phobos. Où je fais ça? Chaleur. Quel calor. Et je peux faire du soutien par tour. Tank Zante. Ah bah oui, ça serait très bien là. Plus 3 soutiens par tour sur les 4 zones autour. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'aurais pas de problème de population ici. Hop. Ah oui, non, là. 1, 2, 3, 4 zones d'habitation. Allez, je vais le mettre là. Allez, va en exploration. Espèce de négationniste, complotiste. Titane. 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 Et un autre satellite. Ah, bah, c'est celui-là que je voulais tout à l'heure. Les bâtiments de geste sont produits en acier, c'est cool ça aussi. Ça c'est toujours bien. Celui-ci il est top aussi. Le parc avec dôme, plus 4 de soutien par tour autour. Pour toutes les zones autour. Je vais prendre
Ah, trop de choix. Trop de choix tu. Plus de soutien, c'est pas ouf. Là, je suis quand même bien remonté. J'ai un, deux bâtiments de population. Ça en fera trois. Et encore ça. Franchement, en route spatiale, j'ai largement ce qu'il me faut. Allez. Ah oui, mais je vais être limité à cause de ça. Je vais avoir besoin de plus de population parce que sinon je peux pas construire tous les bâtiments que je veux. Saleté. Ah, ou alors sinon je mets des robots. L'avantage c'est que ceux-là, ils n'auront pas de soucis avec le fait d'être. Ouais, je vais peut-être mettre des robots. Dans l'immédiat, on va activer ça. Ça me fait deux satellites ce tour-ci. Les bâtiments de production de la science génèrent plus de science par tour. Les bâtiments de jardin, d'accord, c'est la même chose, sauf que là, il y a en plus de la population. Hop. Bizarre, ces petits points violets, je trouve, pour dire qu'il y a des bactéries qui sont répandues. Qu'est-ce que je veux d'autre? De quoi ai-je besoin? J'ai besoin de science là pour ça. Je peux faire ça aussi. J'ai besoin d'eau, de silicate, de science. D'eau, de silicate et de science. De la science ici. Bim. Silicate et un peu de soutien. Alors, ici j'ai encore un spot de libre. Et je vais m'en servir pour mettre mon rover. Allez, go explorer. Tant pis pour le soutien négatif. Hop. Donc j'ai du soutien négatif parce que c'est dans un nuage de sable. Alors l'avantage du rover, c'est que donc ça fait de l'exploration gratuite. Mais plus c'est éloigné du point de départ, plus le temps de rechargement est long. Donc les zones toutes proches, bah, c'est deux de temps de recharge. Pour les autres, c'est de plus en plus long. Hop, allez. Va me faire encore plus d'atmosphère. Va me faire. Donc là, je vais lui mettre. Ah zut, j'ai pas assez. Plus ces petits titanes. Tant pis. Attends. Va faire ça. Ah bah de toute façon j'ai pas assez de titane. Par contre, ah oui j'ai pas du tout assez de titane. Je vais faire ça. Ça permet d'avoir plus régulièrement des technologies qui sont proposées. Là, on voit que le cooldown est quand même assez long. Ça le fait 10 minutes 50%, ce qui est quand même moins nul. Est-ce que je le mets ici? Ouais, du coup, je peux le mettre là. Hop. Allez, zou.
Allez, moins 55. C'est pas chaud du tout. Ça, c'est un bâtiment qui est rigolo, mais qui produit de l'atmosphère par tour pour chaque rocher adjacent, mais en fait, ça te bloque, parce que les rochers adjacents, c'est vraiment pénible. Le satellite, c'est un must-have. Et de la bouffe avec du soutien par tour. On prend. Hop. Ah merde, je croyais que c'était que 5 tours qu'il était là. J'avais pas fait gaffe. Ça fait 5 tours de misère. Ma science, je lui dis que j'en ai besoin pour ça. Certes. Alors, est-ce que tu peux me trouver du titane quelque part, toi? Là. Ça, on va y aller. Avec le satellite, plus 4 de titane, c'est good. Hop. Les petits robots. Hop. Produis-moi ça. Ah, ça, à côté de ça, c'est top. Plus un sens par tour, plus un habitant. Et la science génère plus un sens par tour. Ça peut être sympatoche, ça. Eh bien, tiens, par exemple. Ah non, zut. Si je le mets là. Je vais le mettre là, le bâtiment qui rapporte de la science, je vais le mettre là. Alors, tu peux aller me faire du silicate ou alors augmenter. Vu sur le canyon, ça permet d'augmenter la le confort de vie, qui est plutôt bon dans cette ville-là. Ok. Alors, des rênes, température oxygène. Ouais, 3 températures, c'est pas pour tout de suite, mon coco. Je veux pas d'océan. Ça, je veux bien. Centre de vie commune. Plus un de population, plus un de robots. C'est cool aussi. L'école, c'est cool. Plus un de sens par tour, plus de soutien. Et que du bon. Alors, mon petit rover. Pierre de sable, ça fait quoi? Ça augmente le soutien par tour. C'est à moins 19 pour l'instant. Est-ce que j'ai pas des trucs que je peux être amené à remplacer? Là, j'ai une école. Chaque habitant adjacent fournit 2 de soutien par tour. Ouais, mais en même temps, tous les emplacements construits sont occupés, donc je peux pas supprimer ici. Là, c'était relativement optimisé. Ouais. Là, bah, c'est pour faire de la science éventuellement aussi. Ah, si, ça serait pas mal avec un bâtiment qui génère. Ah, bah oui, je pourrais mettre ça ici. Ah, très bien ça.
Ah non, parce que ça, c'est un hosto. Là, il me fallait une population, j'avais dit. Donc, c'est pas ça. Ok. Go explorer. Go là. Ça peut me faire un site de ville. Pourquoi pas? Peut-être ici, plutôt. Au prochain tour. Alors, épandeur de bactéries, ça aussi c'est top, la gare. C'est la version inférieure de l'hyperloop. Pourquoi pas un épandeur de bactéries en plus? Pourquoi pas? Un satellite en plus, ça clairement, on prend. Alors, toi, qu'est-ce que t'as? Petite curiosité, c'est tout. Ensuite, t'es autour de plein de villes. Plein de mines, je veux dire. T'as une position assez intéressante. Sirenum mineur. Sirenum mineur. Ici, je pourrais mettre ça. Ça m'améliorerait mon soutien par tour et ça me permettrait d'aller chercher les trucs un peu loin. Ouais, ce serait un bon plan. Attends, c'est quoi ces sciences et silicates? Non, c'est énergie. Je vais mettre ça là. Donc là, du coup, ça me fait plein d'endroits sympathiques à aller chercher. Tac. Hop, je peux faire des visites guidées pour m'améliorer mon soutien par tour. Je peux me faire de la flotte en plus. Plein de flotte en plus. Dès que j'aurai l'énergie pour. On peut avoir. J'ai quand même une ville qui est très très étendue. Et c'est assez pratique. Il me faut du silicate. On est là. Ah merde, j'ai plus d'énergie. Certaines routes commerciales n'ont pas été. Bah ouais, mais. En même temps, je peux rien faire de mes routes commerciales. Une action de bâtiment pour propager. Ah. Je peux propager plus de. Hop. 12 tours. 12 tours, c'est ce que je fais de mieux. Hop, allez. Ça, il faut que ça monte. Allez, moins 64 de soutien. Ça devient vraiment chaud quand t'arrives en fin de partie. Ça descend une thèse. Bon, le truc, c'est que j'ai un stock qui est quand même assez considérable, donc. Ça laisse le temps, on va dire, mais ça devient vraiment une course contre la montre. Ça, c'est sympa, sympatoche. Le labo, enfin, labo d'OGM, si on veut. Plus de chaleur.
plus d'atmosphère. Je vais prendre ces deux-là. Ça, je vais m'installer ici. Ce qui me permet d'avoir mes technologies beaucoup plus rapidement. Mais je peux pas faire grand-chose de plus. Alors si je peux explorer. Et quand on peut explorer, on trouve des ressources. Et quand on trouve des ressources, on peut faire des choses après. Qu'est-ce qu'il me faut? Science, silicate. J'ai besoin de plein de silicates. Ah, science. Ah, j'ai ça aussi. Quand on est sur les pôles, et oui, comme j'ai le sable noir, ça me fait gratos 10 de chaleur, 10 de température. Ça, c'est bon. Allez, yes, plus de température. Allez. Malgré une montagne de preuves irréfutables, Nathan ne croit pas en l'existence de la Terre. Tant que chef de la Société de la Fausse Terre, il prétend que toutes les images de la planète bleue sont des montages, que les visiteurs terriens arrivent en fait une station spatiale et que toute cette histoire est un complot destiné à vendre plus cher des produits importés depuis une planète qui n'existe pas. Son charisme lui a étonnamment permis de rassembler des fidèles au sein de la population martienne. Les scientifiques martériens, quant à eux, sont consternés par ces affirmations délirantes. Il a beau être un dirigeant charismatique, son refus de croire en une telle évidence est un défi de bon sens. Conspirationniste, chaque nouvel habitant fournit un soutien par tour, mais chaque nouvelle production de science fournit moins un. Ah merde. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Lui me propose plus d'un énergie par tour pour chaque palier de 7 points d'expansion obtenus, lieu océanique possédé. Centre de commerce. Ouais, plein de. J'en ai déjà tellement. Pff, ouais. Celle-là, je l'aime bien aussi. Elle permet d'avoir de choper plein de formes de vie et de pouvoir les lancer plus facilement. Elle augmente la production d'oxygène. Et elle donne de la science à chaque fois qu'elle explore. Elle est très polyvalente. Et c'est plutôt sympathique. Alors ici, je vais construire ce bâtiment-là. Parce que de la population, je vais en avoir a priori beaucoup ici. Des mines. Ce bâtiment-là permet de booster le soutien. Par tour pour chaque mine appartenant à la ville. Je vais commencer par aller chercher de l'eau. Toi, tu vas aller me chercher ouais, du silicate. Là, je peux faire des mondes d'eau encore. Et encore des mondes d'eau. Ouh! J'ai quasiment fini cette partie. Oh, c'est formidable. Allez. C'est quoi? Ça diminue les prérequis de précipitation. Là, ça va être la chaleur. Eh, mais attends. Je vais pouvoir. Yes! Ça y est.
J'ai deux zones avec de la chaleur. Donc, plus 60 de soutien et plus 6 de soutien par tour. Cool. J'ai à peu près plus d'énergie. 2 d'énergie, est-ce que j'ai des zones? Oui, je peux aller là. Avec de la science et du cigate. Hop. C'est un peu con ce que je viens de faire. Ouais, c'est un peu con. J'ai presque fini la partie, donc du coup, c'est un peu moins grave d'être con. Tiens. Tac. Je vais pouvoir répondre encore des batteries. On se tourne. Alors attends. Ça c'est quoi? C'est. Ouais. Encore du soutien par tour. Projet. Des plantes. J'ai à peu près plus besoin de mes routes commerciales. Donc je vais. Ça c'est quoi? C'est juste des plateformes d'atterrissage, ouais. Hop. Ouais, allez, on continue à terraformer comme des ouf. Hop. Intéressant là-dedans. Alors, un rassemblement prévu pour informer la population des anciens récents de la technologie martienne et encourager leurs efforts. Célébrer les exploits passés, plus 20 de soutien pour chaque habitant, doubler les ressources pendant ce tour. Tiens, ça va, ressources, on peut toujours prendre. Je veux pas de flotte. Ça je veux bien, ça fait de la population pour pas cher. Enfin, pour moins de bouffe. Hop. Ici. On va construire ça. J'ai mes silicates que je peux installer. Non, c'est pas là, c'était là. Je vais. Ah non, ça je peux pas le faire encore. Ça produit du soutien. Alors, je peux faire ça là. On est presque 5 points. 5 points. On va l'explorer. Qu'est-ce que ça va nous donner? La science. Tac. Pas beaucoup de quoi d'énergie de titane. J'ai pas des zones qui fournissent de l'énergie là. Tritium, j'ai tout ce qu'il me faut. Titane, allez go for titane. Tac et tac et de la science, très bien. Je peux choper un projet de plus par tour avec ça. Franchement, j'en ai pas vraiment besoin. Là, typiquement, ça ne m'intéresse pas.
une forme de vie. Ours polaire, 3 d'oxygène. Forêt tropicale boréale, 3 de précipitation. Je pense pas que j'ai ni l'un ni l'autre. 3 de précipitation, que dalle. Et 3 d'oxygène, je suis à 2 maximum. Ouais. Ouais, les précipitations, de toute façon, j'en aurai pas beaucoup. Donc, à choisir, il vaut mieux que je prenne le nounours. Alors, le règne remplacerait. Quand c'est jaune, c'est que ça remplace quelque chose d'autre. Là, je pourrais avoir un dièvre de plus. Ou un power de plus. Et le lièvre se répandra plus vite en plus. Le fait d'en avoir plein, ça augmente encore plus le soutien. Donc. Attends, le pingouin, j'ai vu. Ouais, c'est pareil, c'est les mêmes conditions. Tac. 599, il est sérieux. Température de 2, c'est mieux. Les chevaux. Ah bah allez. On va avoir des chevaux et ça sera bon. Il pensait qu'il fallait la population. Et j'ai pas la population. Parce que j'ai plus de zone. Si, alors je peux encore péter une autre plateforme. Hop. Tac. Et les chevaux. Les chevaux, les chevaux. Ah, sauf que là, ça remplacerait. Ça remplacerait les. Ah bah zut. Ouais, bah c'est pas grave. Félicitations. Sous direction Mars, c'est passé d'un lieu désolé à une planète où il fait bon vivre. Votre travail acharné. Et le bonheur et la prospérité du peuple martien. Et c'est une nouvelle victoire de canard. Voilà, je vais arrêter ce live ici. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous avez réussi, vous pouvez développer la civilisation martienne jusqu'à rendre viable vos décisions. On fait l'unanimité auprès des gouvernements terriens et des colons. La jeune société martienne est en bonne voie pour de réussir. Bah, j'ai pas vu. Voilà, donc quand on termine une partie, on débloque des nouveaux contenus. Donc là, c'est des projets. Merci Broudaf. Des nouveaux projets qu'on peut installer. Hop. Hop, encore de nouveaux projets. Ah, le quai, justement. Ce projet doit être construit sur un lieu côtier. Barrage hydraulique. Ah, tu relances mon Satisfactory du coup. Station balnéaire. Très bien. Et donc j'ai eu expansion rapide. En un temps record. Et ben voilà. Merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir regardé ces vidéos, chers amis internautatrices et internautateurs. On dit au revoir YouTube, d'abord. Ciao, ciao.